Bonjour et bienvenue au château Fleur Cardinal. Aujourd'hui, je vais vous parler de désordre, de poésie, mais aussi et surtout de château Fleur Cardinal 2011. Ce qui nous aura marqué en 2011, c'est un climat désordonné. Le printemps a été très sec, très chaud, à tel point qu'on se croyait en été, avec des températures de plus de 30 degrés au mois d'avril, et donc la vigne a débourré de manière très précoce. Mais il y a un écrivain québécois, prénommé Jean Basile, qui disait que l'avantage du désordre, c'est qu'il se transforme en ordre, tôt ou tard. Et finalement, ce sont les mois de juillet et d'août, plutôt frais, qui ont permis de calmer les excès du printemps, et donc de remettre un petit peu d'ordre à la vigne. Et puis j'aime bien cette autre citation du poète et écrivain français Nicolas Boileau, qui dit qu'un beau désordre, c'est un effet de l'art. Car 2011, c'est la représentation parfaite du travail d'artiste du vigneron, qui malgré, ou grâce au désordre savamment orchestré par la nature, arrive à force de passion et de patience à sublimer le fruit de la vigne. La robe, elle est profonde. Elle est de couleur pourpre foncé. On a un premier nez déjà très ouvert sur les fruits noirs. Toujours les fruits noirs au deuxième nez, mais avec des notes encore un peu plus réglissées. Beaucoup de fraîcheur aussi avec des notes un peu mentholées. On a un vin qui est ouvert, ça je l'ai déjà dit, mais par contre sur la puissance, c'est assez étonnant pour un 2011. On a une bouche qui est charnue, des tanins qui sont soyeux. On a toujours ces notes de réglisse, mais on a aussi des petites épices qui viennent en bouche. C'est très étonnant pour un 2011, c'est pas ce à quoi on s'attend, mais quand on connaît le contexte du millésime, on peut un peu comprendre. Donc maintenant, est-ce qu'on passe à table ou est-ce qu'on garde en cave? Ceux qui le veulent peuvent bien sûr conserver le vin en cave, encore pour les 10 prochaines années, mais nous, notre conseil, c'est de commencer quand même à en profiter de ce château Fleur Cardinal 2011. Et pour ça, vous ouvrez simplement la bouteille 2 heures avant le repas, et puis vous commencez à cuisiner. Et vous commencez à cuisiner, pourquoi pas, suivant les conseils de Chuck Hughes, un magret de canard, foie gras, sauce au vin rouge. Pour finir, pour tous ceux qui, comme moi, aiment s'assurer que le vin est vraiment bon, en dégustant un verre en cuisine avant que les invités arrivent, profitez-en pour réécouter Rocketman d'Elton John en cuisinant. Voilà, c'était le millésime 2011 du château Fleur Cardinal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux millésimes de la propriété.